Bonjour les chatons, comment allez-vous? Bien, super. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau son et une nouvelle lettre. Mais avant, on va faire un petit rappel. Quel est le son qu'on avait vu la semaine dernière? Vous vous rappelez? Alors, c'est le son B, la lettre B. Répétez les enfants, le son B, la lettre B. Alors voilà. B avec A, bas, très bien. B avec O, beau. B avec I, bi. B avec U, bu. Et B avec E, be. Bravo les enfants. Maintenant, suivez avec moi. Que voyez-vous sur l'image? Alors, regardez bien l'image, les enfants. Je laisse un petit moment pour regarder. Que voyez-vous sur l'image? Alors, je vois des enfants, des personnes, des arbres, des fleurs, des bancs, un toboggan, une balançoire, des oiseaux, une maman avec leur bébé, un papa, un garçon qui glisse sur le toboggan, une fille qui balance sur la balançoire, une fille sans la une fleur plutôt, une fille sans la fleur. Oui, alors quel est le nom de ce lieu, les enfants? C'est le jardin public. Le jardin public. Très bien. Alors, on a aussi une femme qui lit le journal. Où est la femme qui lit le journal, les enfants? Elle est assise sur le banc. Très bien. Alors, quel est le nom du journal? C'est le journal du lundi. Alors, et combien de personnes sont assises sur les bancs? Comptez avec moi les enfants. 1, 2, 3. Très bien. Alors, qu'est-ce que le petit garçon qu'on jouait au bout de la ficelle? C'est un camion. Très bien. Alors, quelle fleur reconnais-tu? Ce sont, regardez bien les enfants, on a des jasmins et des tulipes, des jasmins et des tulipes. Bravo! Alors, regardez bien les enfants avec moi. Qu'est-ce que c'est? Le journal. Le journal. Voilà le journal. Qu'est-ce que c'est? Le jardin. Voilà le jardin. Qu'est-ce que c'est, les enfants? Le jasmin. Le jasmin. C'est un jouet. Un jouet. Qu'est-ce que c'est? Un pyjama. Un pyjama. Et la jupe. La jupe. Alors, d'après ces mots, les enfants, quel est le son qui se répète dans ces mots? Je vais lire encore une fois. Journal, jardin, jasmin, jouet, pyjama, jupe. Alors, quel est le son qui se répète dans ces mots? C'est le son J. C'est le son J et la lettre J. Le son J, la lettre J. La lettre. Voilà.
J majuscule en cursif, en script plutôt. J minuscule script et G en minuscule cursif. Voilà. Alors, la lettre J avec A, ça donne JA. Bravo. J avec O, JO. J avec U, JU. J avec E, JE. Alors, J avec A, JA. J avec O, JO. J avec U, JU. J avec E, JE. Très bien, maintenant, je vais écrire la phrase. Les enfants jouent dans le jardin. Alors, voilà la lettre J dans le mot joue et dans le mot jardin. Alors, les, L avec ES, les enfants. Les, on a une liaison ici, les enfants jouent dans le, L avec E, le jardin. Jardin. Alors, les enfants jouent dans le jardin. Alors, on va jouer pigeon vol. Si vous avez entendu le son J, vous tapez les mains. D'accord, les enfants? Alors, jardin. Il y a le son J. Bravo, les enfants. Jasmin. Bravo, les enfants. Jouer. Bravo, les enfants. Arbre. Arbre. Non. Colombe. Non. Pyjama. Oui. Journal. Oui. Alors, maintenant, à votre tour, donnez-moi des mots avec le son J. Oui. Jeudi. Très bien. Janvier. Bravo. Juillet. Très bien. Juliana. Vous rappelez la maîtresse Juliana? Oui. Encore. Jardinier. Très bien. Encore? Oui. Très bien, les enfants. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez sages à la maison, ne faites pas de bêtises et à la prochaine, Inch'Allah.